Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un sous-espace V, et on va dire que V, c'est le sous-espace défini par l'ensemble des vecteurs x1, x2, x3, tels que x1 plus x2 plus x3 soit égal à 0. Donc en fait, si on l'écrit comme ça, ça veut dire que. V représente un plan dans R3. Et nous, on va s'intéresser à la projection sur V d'un vecteur quelconque X. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que si on a X1 plus X2 plus X3 qui est égal à 0, on peut aussi écrire X1 qui est égal à moins X2 moins X3. Et du coup, si on remplace x2, x3 par des, des constantes, si on dit que x2 est égal à une constante c2 et que x3 est égal à une constante c3, en fait, on, on considère que x2, x3 sont des variables libres. À ce moment-là, on peut réécrire v. On peut dire que v c'est l'ensemble des vecteurs x1, x2 x3 qui sont égaux à quoi? Qui sont égaux à c2 fois le vecteur ici on va avoir euh, ici du coup si on remplace x2 par c2 et x3 par c3 on a x1 qui est égal à, égal, est égal à moins c2 plus c3 et en fait c'est moins c3 donc c'est plus C3 fois moins 1. Et x2 est égal, on a dit, à C2, et 0 C3. X3 est égal à 0 C2 plus C3. Donc en fait, là, on a une autre expression de mon sous-espace V. Et bien sûr, ça, une fois qu'on a ça, on voit directement que V, en fait, on peut l'écrire comme le vecte, comme le vect des deux vecteurs. Moins 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Et on voit aussi directement que ces deux vecteurs forment une base de V. Là on a une base de V. Donc si on a une base de V, on peut définir une matrice A, c'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo à partir des deux euh, vecteurs de la base du coup, moins 1, 1, 0 moins 1, 0, 1 et à ce moment là, on sait que la projection la projection sur V de mon vecteur X ça s'écrit comme la matrice A fois l'inverse de la transposée de A Fois A, fois la transposée de A, fois le vecteur X. Et dans la dernière vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé la transposée de A, puis on a calculé l'inverse de la, la transposée de A fois A, et ensuite on a calculé comme ça cette matrice de projection euh, de façon un peu calculatoire. Et ici, l'idée de cette vidéo, c'est de faire ça d'une façon un petit peu différente. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est que si on prend un x qui appartient à R3, un vecteur x appartenant à R3, ça veut dire que on peut écrire x sous la forme d'un vecteur v qui appartient à mon sous-espace V plus un vecteur w qui appartient au complément orthogonal de V. Donc où V appartient à grand V et W appartient au complément orthogonal de V. À ce moment-là, on sait que V représente la projection orthogonale de X sur V, et W la projection orthogonale de X sur le complément orthogonal de V. Donc on peut réécrire X comme euh, la, projection, la projection sur V de X plus la projection sur le complément orthogonal de v de x. Et ici, on sait que la projection orthogonale de v sur x, c'est en fait, euh, c'est égal à une certaine matrice fois x. Ça, on sait une matrice qu'on va appeler b. Donc on sait que la projection de v de x sur v, c'est b fois x. Et de la même façon, on va dire que la projection de x sur le complément orthogonal de v, on va dire que c'est égal à une, une matrice c fois x. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est x, on peut le réécrire comme le produit de l'identité fois x. Donc on va réécrire ça. On va dire que c'est l'identité fois x qui est égal à quoi Ça, on a dit que c'était égal à b fois x. Donc c'est égal à b x plus Cx. Donc on a I3 si on factorise I3X est égal à B plus C fois X. Et donc si I3 est égal à, si I3X est égal à B plus C fois X, ça veut dire que I3 forcément doit être égal à la matrice B plus C. Donc on a I3 qui est égal à B plus C. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir la matrice B, et on a que la matrice B, elle est égale à I3 moins C. Alors pourquoi c'est intéressant Parce qu'ici, la matrice B, pour la calculer, il faudrait calculer euh, la transposée de la matrice A, puis calculer l'inverse de la matrice de transposée de A fois 1, puis ensuite faire le calcul. Donc ça, ça risque d'être un peu, un peu difficile ici, alors que peut-être la, la, la matrice C peut être obtenue beaucoup plus simplement. Et si la matrice C s'obtient facilement, alors on arrivera à calculer très facilement aussi la matrice B. Donc dans cette vidéo, on va essayer là de calculer la matrice C. Alors si on repose notre problème, on avait dit initialement que V c'était égal à quoi v c'est l'ensemble des vecteurs x1, x2, x3 tel que x1 plus x2 plus x3 est égal à zéro ça on peut très bien le réécrire comme le, la matrice 1, 1, 1 fois le vecteur x1, x2, x3, qui est égal à 0, en fait, au, au vecteur nul de dimension 1. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'en fait, mon sous-espace V, V, je peux le réécrire comme le noyau de cette matrice. V, c'est égal au noyau de la matrice 1, 1, et nous, on a dit que ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir calculer la matrice C. Et la matrice C, on a dit qu'en fait, ça correspond à la projection de x sur le complément orthogonal de V. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir définir le complément orthogonal de V. Et ici, on sait que si V, c'est le noyau de cette matrice, le complément orthogonal de V, c'est égal à quoi c'est égal au complément orthogonal du noyau de cette matrice, de la matrice 1, 1, 1, et le complément orthogonal d'une matrice, c'est quoi C'est égal, on sait, à l'image de la matrice transposée. Donc c'est l'image ici de la matrice 1, 1, 1. Du coup, maintenant, on voit qu'on arrive à avoir une expression. On sait à quoi correspond le complément orthogonal de v. On peut encore simplifier en disant que l'image de cette matrice 1 1 1 c'est égal directement au vect du vecteur 1 1 1. C'est égal au vecteur au, au vecte de ce vecteur-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on considère, on a dit que euh, v c'était un plan. Donc si on dessine V comme ceci un plan dans R3, ça on dit que c'est V, à quoi correspond V orthogonal V orthogonal, le complément orthogonal de V correspond à une droite orthogonale à V. Ça, c'est le euh, complément orthogonal de V. Et du coup, ici, ce qu'on peut faire, on peut définir. Une matrice D, qui est la matrice qui s'obtient à partir des euh, vecteurs de la base du complément orthogonal de V. Donc ici, ça va être très simple, vu qu'il n'y a qu'un seul vecteur, ça va être la matrice 1, 1, 1. Et à ce moment-là, on sait que la projection euh, sur le complément orthogonal de V du vecteur X, du vecteur X, sera égale à quoi? À ma matrice D fois l'inverse de la matrice transposée de D fois D fois la matrice transposée de D fois le vecteur X. Et tout ça, ça, ça va me donner ma matrice C. Mais on voit que c'est plus simple de travailler sur ma matrice D ici que sur ma matrice A ici. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ma matrice D transposée, ça vaut quoi D transposé c'est égal à la matrice 1, 1, 1. Donc si je calcule maintenant d transposé fois D, ça me fait 1, 1, 1 ici. Donc ici j'ai une matrice euh, 1 fois 3. Ici j'ai une matrice 3 fois 1. Donc au final je vais obtenir une matrice 1 fois 1. Donc ça va être quoi ma matrice? Ça va être. 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça va me faire 3. Donc la projection sur le complément orthogonal de mon vecteur V, de mon vecteur X, c'est égal à ma matrice D, donc ma matrice D c'est 1, 1, 1, fois l'inverse de ma matrice 1 par 1 qui correspond à 3, fois Ma matrice D transposée, donc, qui est la matrice 1, 1, 1. Alors ce qu'il nous reste à savoir, c'est ça vaut quoi cette matrice, l'inverse d'une matrice 1 par 1 Ce qu'on sait, c'est que, comment est-ce qu'on définit l'inverse d'une matrice On a l'inverse d'une matrice fois la matrice qui vaut l'identité. Qui vaut l'identité. Donc ici, ici, euh, ma matrice A, c'est ma matrice 1 par 1 qui vaut 3. Ma matrice inverse, donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle vaut Alors, la matrice identité, ici, c'est la matrice qui vaut juste 1. En fait, on voit que le, le produit, ça va donner quoi Ça va donner le coefficient ici fois 3 qui doit être égal à 1. Donc, ça veut dire que le coefficient ici doit être égal à 1 tiers. Donc, ma matrice inverse c'est la matrice avec un coefficient qui vaut 1 tiers. Donc une fois qu'on a ça, on peut continuer le calcul. Donc on va passer le 1 tiers devant, parce qu'en fait ici c'est une matrice 1 un par 1, donc en fait c'est comme un scalaire, donc où on peut le passer devant. Du coup, ma projection ça va valoir 1 euh, tiers de ma matrice D fois la matrice transposée de D. Et ça, ça vaut quoi? Donc je vais garder mon 1 tiers ici. Et en fait, ici, j'ai une matrice 3 fois 1. Ici, j'ai une matrice 1 fois 3. Du coup, la matrice que je vais obtenir, ça va être une matrice 3 fois 3. Donc, qu'est-ce que je vais avoir En fait, ça va être une matrice avec que D1 partout. Ici, je vais avoir 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Donc cette matrice ici, cette matrice que j'ai ici, avec le 1 tiers devant, c'est ma matrice C, c'est la matrice que je voulais obtenir. Et du coup, maintenant, je m'intéresse à la projection, la projection sur V de mon vecteur X. On a dit que c'était égal à Ma matrice B fois X, ou la matrice B, elle s'obtient comme la matrice identité moins la matrice C. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est euh, la matrice identité, donc c'est la matrice où j'ai D1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Et la matrice C, c'est du coup la matrice que j'ai écrite au-dessus. Donc c'est 1 tiers de 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Donc pour rendre les choses plus simples, pour faciliter le calcul, ce que je peux faire, c'est faire apparaître un 1 tiers devant. Et du coup, il faut que je multiplie ici tout par 3. Donc si j'ai ça maintenant, je peux factoriser par le 1 tiers. Donc je veux dire que je vais avoir 1 tiers de. Donc en fait, si je vais faire. A chaque fois je vais faire le coefficient qui est ici, moins ceux qui sont ici. Donc sur la diagonale, je vais avoir 3 moins 1 à chaque fois. Donc je vais avoir 3 moins 1, ça fait 2. Donc je vais avoir 2, 2, 2. Et en dehors de la diagonale, je vais avoir 2, euh, 0 moins 1, donc ça va me faire moins 1 partout. Donc moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc ma matrice B, elle est égale à cette matrice ici. Donc on voit que ça aurait été assez compliqué finalement de travailler directement avec la matrice A, mais au lieu de travailler sur la matrice A, on a travaillé en fait sur la matrice qui correspond au complément orthogonal de V, qui elle est beaucoup plus simple, c'est cette matrice ici, et du coup on a réussi à obtenir facilement la matrice B qu'on peut écrire comme cela.